J'en veux des... Nous sommes en train d'affronter Radagon. Et j'ai réussi à atteindre la phase 2. Alors je me dis, au cas où je le vins, et ben je lance une VOD. Je vais laisser la cinématique du coup. Comme ça, c'est un petit rappel. Et puis je le trouve trop stylé. Même si en fait on n'a pas beaucoup d'éléments d'infos. Hein. C'est juste une cinématique qui met en scène le... Le seigneur slash dieu slash roi. Ouais, comme ça, moi, je voyais vraiment que c'est une femme. Parce que ces pecs, ils font très pecs féminins, quand même. Tu vois ce que je veux dire, quoi. On n'a toujours pas vaincu Malenia. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est bon. Je pourrais la faire après. Du coup, je préfère faire dans cet ordre parce que lui me semble quand même moins dur. J'ai réussi à atteindre sa seconde phase en pas ultra longtemps par rapport à Malenia. Ou la dernière fois, pendant toute une soirée, j'ai même pas réussi. Donc bon. Je le sens rien. Je lui fais mal, en fait. Je lui fais suffisamment mal, je pense. Mince. Ouais, il est vite. Ah merde, je suis vert. Je me tire maintenant. J'ai dit que je me tirerais, ça va. Mana, c'est chiant. J'ai de la mana, c'est cool. J'ai pourtant trop bien esquivé et franchement ça me saoule. On n'est pas encore à la phase 2. J'hésite à garder mon Kamehameha pour plus tard ou à le mettre comme je l'ai fait au tout début. J'hésite. Peut-être le refaire au tout début. Parce que tout à l'heure c'était pas mal. Je prenais un dégât certes. Ah attendez. Truc que je peux faire. C'est une protection, comme ça je prends pas le dégât. Mélange au miraculeux. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, là, je pourrais faire mon Kamehameha. Je ferai ma petite préparation. Et du coup, grâce à ça, eh ben, vu qu'il me donnera forcément un coup pendant que je le ferai, ben, en fait, je pourrais un peu l'ignorer et continuer. Ou en tout cas, au moins l'ignorer et me barrer. Ça me semble être une, je sais pas, un truc intéressant. Je vais le tenter, on va voir. Je mets un peu en scène ma strat sans être trop sûr. Faut peut-être que je garde pour la seconde phase, mais dans la seconde phase, il me semble tellement ultra loin de moi que je pense que mon Kamehameha ne marchera pas de ouf. Enfin, peut-être que je recule. Ok, d'accord. Tout à l'heure, je l'ai fait beaucoup plus tôt. Ok, ok, j'ai raté. Désolé, j'ai raté. Faut que je prenne ma popo. Avant de rentrer, ou... Ouais, c'est ça. Je pense que là, ce serait ok. Là, j'ai raté parce que j'ai raté. Je prends ma popo avant de rentrer. On va faire ça, on va faire ça. Tout à l'heure, j'ai réussi à tout mettre. J'avais peut-être pas mis la base, cela dit. Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai peur que ça fonctionne pas, mais je pense que oui. On va prendre la popo tout de suite. Limite, je mets peut-être pas mon truc et je fais Kamehameha tout de suite, on va voir.
Je vise pas. Je visais pas, je suis dégoûtée. Je veux tester ma strat là, c'était pathétique là. Oh, je suis dégoûtée. Je vais laisser me tuer. Je veux tester ma strat. Avant de l'annuler. D'annuler mon idée, je veux la tester. Parce qu'il faut juste tuer une demi-heure. Ah oh, mais je le visais pas, mais oui j'ai oublié de le viser. J'ai oublié de le viser, alors du coup elle a visé dans le sol là je crois, j'ai pas compris. Je crois hein. Je regardais pas, je regardais d'autres trucs en fait. Pour passer vite parce que l'écran blanc ça va bien 5 minutes. Je sais pas. Je sais pas si c'est worse. Mais la première phase est assez chiante alors ça peut être worse. Je suis trompé de sort. Alors tu fais des trucs inesquivables aussi, c'est un peu facile, non? Je sais pas, hein. J'ai plus de mana. Fais chier. Ah, fais chier, j'avais plus de mana. Dommage. Bonsoir Pixies ou Pixiesy. Bonsoir, bonsoir. Je retourne ma strat, même si en vrai elle est un peu bancale. Je la teste encore un peu. Si c'est pourri, on fait pas. Et voilà. Mais c'est pas mal quand même. Merde! Donc de prendre ma popo, je sais pas pourquoi à ce moment-là. En vrai, ça me permet de faire... Ouais... Un mini tier, un quart de barre de vie. C'est peut-être pas worse. Peut-être que je garde ça pour la seconde phase, en vrai. Je vais peut-être faire ça. Que la seconde phase, bon bah le truc est immense, par contre il est très loin. Il a l'air de faire des attaques vénères de fou. Je vais l'essayer en mode normal. Ouais, si je lui mets assez dans cette phase, c'est plus intéressant. Non.
C'est pas le moment. C'est pas le moment, Loxan. D'où il a... Il était à moitié en attaque, il repousse mes trucs alors qu'il est à moitié en attaque, ça dégoûte. Cette attaque, je sais pas comment esquiver. J'essaye de le faire en un second temps, mais ça ne marche pas. Attendez, excusez-moi, j'ai un message, je regarde rapidement. Ça va. C'est rien d'important. J'avais un truc à faire aujourd'hui. Ouais, je pourrais faire demain. Ok, donc strat pourri, en tout cas pas pour la phrase phase 1 de faire mon Kamehameha. Mais en phase 1, je peux lui mettre beaucoup juste avec mes sorts. Mince, là il va repousser, ouais. Non! Pas du tout le moment. Un peu deg. Tu as pas eu, espèce du nul. C'est pas le moment de prendre la popo. Je sais pas comment faire. Vite, prends en une. Ah, je fais Nawak. Viens exploser sur ma gueule. Pas le moment de prendre une popo, c'est le moment d'aller au dodo. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, il est 3h quand même. Je vais commencer tard aussi. Je vous fais des bisous, bonne nuit avec cette demain. Des bisous, Sam! Passe une très bonne nuit! Merci pour les encouragements, c'est adorable! Coucou, Fouinette! Ça fait longtemps! Comment tu vas-tu? Merde. Oh là, il en a évité plein. Non, mauvaise idée. Voilà. Timing, let's go. Ouais, mais là, c'est chaud. Inesquivable. Je me tire, j'en ai marre. Moi ça va tranquillou, faut une galère un peu mais ça va. Oh putain, je me prends un coup à chaque fois que j'en mets un, ça va bien là. Merde. On va réchauffer les mains. Y'en a marre. Bon, je vais le retenter encore quelques fois.
Et puis on verra comment ça se passe, mais sinon, si ça se passe pas, ou je vais peut-être me coucher, on verra. J'ai dit merde. Non, j'ai dit merde. Rien à voir. J'ai rien mis là. C'est très mal passé, hein. Ça veut dire ce soir. Bah oui, c'est Elden Ring. Hein. Elden Ring, c'est beaucoup la bagarre. Et c'est beaucoup dur. C'est beaucoup du sang et des larmes. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Natsu Drag. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. C'est très gentil. Bienvenue. À quoi on jouera demain? Ah, peut-être du Cuphead, mais je sais pas. Et sinon... Sinon, je sais pas. Demain, on fera pas du Elden, puisque je suis obligée de couper le live tôt. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup. Merci, bienvenue à toi. Enfin, bienvenue, t'étais déjà là. Merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Non, j'ai mis mon petit sort de merde. Ah, c'est terrible. Ah, dans ton torse. J'esquive plus jamais. Pokémon, ouais, c'est bien, franchement, j'ai envie. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là, se réveille-toi là. Ça va bien? On est où? Les popos sont pas assez efficaces, j'ai l'impression. Ah, j'ai voulu tenter le truc, j'aurais pas dû. Oh, l'enchaînement. C'est non, dur, pas pour toi, t'es une bonne joueuse. Et je joue pas avec eux. Bonsoir Christelle Am. Christelle A.M. Merci. Je connais pas du tout, merci beaucoup. Merci, bienvenue à toi et à tes viewers. Très très gentil. Merci pour cette adorable raid. Coucou, tu vas bien? Bon, ça va, écoute, je suis en pleine découverte de Radagon sur Elden Ring. Je sais pas si tu y jouais, je sais pas si t'étais dessus, je vais regarder tout de suite. Parce que j'avoue, je vais peut-être pas en parler comme si tout le monde connaissait. C'est son écran d'attente. J'aime bien. Hop là, merci beaucoup! Bienvenue à vous! Alba m'avait parlé de toi. Ah! Et oui, je t'ai vu pas mal ces derniers temps. On a beaucoup discuté. Très sympa, très chill. Enfin, très bienveillant, en fait. Salut, Imagine Thomas! Comment ça va? Bah écoutez, je fais un boss sur Elden Ring qui est quand même... Je préfère vous le dire aux gens qui découvrent un petit peu, qui connaissent pas ou qui sont en train de faire Elden Ring. Je suis vers les derniers boss du jeu. Du coup, si vous voulez pas vous spoil, je préfère vous prévenir. Je suis assez loin. Je sais pas combien d'heures il me reste parce qu'il me reste... ce boss-là et un autre boss insupportable que je veux faire, même s'il n'est pas obligatoire. Et après, sûrement, au moins deux autres, je sais pas. Donc, en vrai, ça peut être encore 150 heures de jeu. Mais au cas où, je préfère vous le dire. Merci beaucoup. Bon, du coup, j'ai follow, hein, comme ça, je pourrais voir. Je pourrais venir voir ce que tu fais. Je pourrais aussi te rendre l'appareil. Ah, si j'ai l'occasion. Bah c'est très gentil d'avoir pensé à moi alors, vraiment merci beaucoup. Et j'ai vu que t'étais sur Among Us. T'en fais souvent? Non, c'est pas le moment de charger un coup. Arrête! Mais c'est bon là, le type là! Non, ça va faire mal. C'est bon. C'est pas le moment.
Il a cassé son sort, moi aussi, mais le sien est plus puissant. Ça, je te réveille. Je sais pas, ça je sais pas. Si j'esquive pas au moment de l'impact, je meurs aussi sur le champ. Mais si j'esquive au moment de l'impact, bah j'ai pas le temps d'esquiver après le moment où il y a la zone. On appelle ça. Comment ça s'appelle? L'onde de choc. Au moment où il y a l'onde de choc qui fait bom. Je suis pas clair, ouais. C'est le boss de fin? Alors non, j'ai cru comprendre que non. Mais c'est un boss de la fin. C'est un des derniers boss. Genre, je crois que le dernier boss, c'est la bête de l'Elden, si j'ai pas de conneries. Mais je suis pas sûre, parce que je connais pas tous les boss du tout. Ce genre de personne qui joue à Elden depuis le mois de février et qui a fait plein de pauses parce qu'il a pété un câble. Du coup, je suis pas à fond. C'est adorable, c'est normal. Tous les jeudis. Ah! Ok, donc... genre de personne à qui on la fait pas et qui massacrerait les noobs comme moi. Je fais du Among Us comme tout le monde à une époque et j'aime trop ça, mais maintenant c'est difficile de réunir les gens pour en faire. Mais quand j'y ai joué la dernière fois, c'était toujours trop bien. Et maintenant il y a des rôles en plus, des trucs et tout. Mais malgré tout, ça reste difficile pour moi de rassembler assez de personnes pour en faire. Oh, et puis j'ai vu le Among Us VR. Putain, ça a l'air trop drôle. C'est déjà dur pour moi de réunir des gens pour jouer à Among Us, alors Among Us VR. Bon, ça a l'air de faire mal à la tête, mais ça a l'air trop dur. Trop marrant. Ça a l'air trop dur et trop marrant. Ah! Je sais pas ce qu'il va bon moment, c'est terrible. Non! Non! C'est terrible. Moi aussi je peux taper, hein. Alors je te fais rien, ok, je te tape. Voilà. C'est du cure-dent, mais... quoi qu'en vrai, non, je lui fais plutôt mal. Par rapport à finalement plein d'autres boss que j'avais affrontés avant. Lui, il est un peu... enfin, ça va. Le seul truc, c'est que j'ai encore du mal avec certaines de ses attaques qui sont mais quasiment inesquivables. Je t'ai dit bonne nuit, Moglumine Dark, je suis pas sûre. Ou alors je t'ai dit bonne nuit dans ma tête, mais je pense que je t'ai dit bonne nuit dans la vraie vie. Mais bisous, bonne nuit, si c'est pas le cas. J'ai sorti une pantoufle ou une babouche. Non, la babouche, c'est trop mou. Faudrait jeter les claquettes, là. Mais en dur. J'ai soif, j'ai à boire. Mais faut que je boive. Faut que j'y pense. Non, ça... ah, c'est pas mal, là je peux... j'ai une fenêtre pour lui taper dessus. Je sais pas comment faire ça. J'esquive même plus ça. En fait, c'est un souci si j'esquive même plus ça. J'ai plus de mana, j'avais pas vu. C'était trop loin, mec. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis plus concentrée là, je m'en rends compte. Je suis pas comme du lait là. Allez, soyons comme le lait. Soyons concentrés. Ici, vous avez vu le silence total dès qu'on arrive là? Avant, il y a de la musique un peu et tout, hein. C'est marrant, non? Et dès qu'on passe le mur rougeâtre... ah, même un peu après.
Là, c'est le silence total avant d'entrer dans la salle du boss. Je sais pas, je trouve que niveau mise en scène, c'est pas mal. Ça prouve vraiment que c'est un boss particulier. Genre, même la musique ne rentre pas chez lui. Et dès que tu rentres par contre dans la salle, dès que tu commences le fight du boss, là, la musique s'emballe de nouveau. Et c'est la musique de quoi? C'est la musique de l'écran d'accueil du jeu. Donc c'est vraiment la musique qui représente Elden Ring pour le boss qui est le seigneur de l'Elden, anciennement seigneur de l'Elden. Je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est assez intéressant au niveau mise en scène. De mon point de vue. Je pense que j'arriverai pas à lui en mettre plus. Non, j'aurais eu le temps d'esquiver si j'avais appuyé vraiment pile poil au moment. Mais là, je l'ai pas eu. Oh, par contre, là, je fais des enchaînements pathétiques, hein. Moi, c'est de la fatigue, puisque bon. Mais j'étais en live aussi vers. Ça fait un peu plus, là, en vrai, que je suis en live, parce que j'ai lancé mon live et puis. On a discuté et tout. J'ai fait une mise à jour NVIDIA juste avant de lancer Elden Ring et ça a fait tout planter mon stream. Du coup, bah j'ai dû relancer. Oh, j'ai les mains froides. J'en ai marre d'avoir les mains froides. On met tous mes fesses. On va regarder un peu la cinématique. Réchauffer mes mimines. Je pense que c'est pour ça que je perds en habilité. Ou alors, c'est vrai que j'ai une manette. Attendez, strat de fou. Hop. Prends ça et on met sous la couverture. Et ça, ça c'est du génie. Désolé, mais ces pecs, c'est complètement de la poitrine de femme. Faut arrêter de faire genre. Ça, c'est un corps de femme qu'ils ont mis dans la cinématique. Après, ça devient un homme. T'as un contre, mais je l'ai trouvé stylé en nana. Enfin, dans mon imaginaire où c'était censé être une meuf. Allez, mais... C'est mal ça. Faut que je me casse. Il faut que je fasse ça. Des bisous, Christelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid, c'est vraiment très gentil. Non, 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 ça c'est pas... Ouais. Il met un coup de pied, quoi. Le dédain du type. A-t-on connu plus dédaigneux? Je suis en décalage. J'esquive en décalé, du coup c'est pas bon. Je suis pas mort, je sais pas comment. Non, c'est pas le moment. Dommage. À chaque fois, je caste mes sorts en me disant j'ai le temps. Au pire moment. Le problème, c'est que cette première phase va me demander beaucoup trop de popo. Oh, faut que j'esquive mieux en fait. Vous avez vu, je joue mieux là, j'ai mis ma petite manette sous mon plaid. C'est nickel. Avec plaisir, c'est très gentil. Je sais pas, c'est cette ambiance d'épicness qui m'inspire.
On se redresse. Voilà. Je me doutais qu'il allait caster un sort, et quand il caste un sort, je sais qu'il peut pas repousser mon truc. J'essaie de prévoir le bon timing, mais c'est ouche. Mince, j'ai plus de mana. Ça, c'est terrible ça. Je suis morte parce que ça, je sais pas comment l'esquiver comme il faut. Il n'est pas si dur, mais j'ai vraiment pas les timings. Tant que j'aurais pas un déclic là-dessus, et ben, ça sera difficile. Réchauffe mes mains en le faisant. Attention, ma couette chaude sur mon plaid chaud. Parce que même dans le plaid, je sens qu'elles sont gelées, qu'elles font un aura de froid autour d'elles. Ce qui est quand même un peu fou, quoi. À partir du moment où ton corps a le pouvoir de refroidir à l'intérieur d'un plaid ou d'une couette, c'est que le corps est un peu froid, quoi. Merde. J'esquivais n'importe comment là, j'ai bien remarqué. Merde. Oh non. Oh la pâté, tu vas y arriver. Oui. Ouais, mais peut-être pas ce soir parce qu'il a une seconde phase. Donc même si là ce soir j'arrive à faire toute la barre de vie, bon, on sait bien, on connaît les boss Elden, enfin je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une seconde phase avec une barre de vie tout aussi grande. Et où en général le boss il s'énerve un peu. Là j'ai à peine vu la seconde phase tout à l'heure. Donc je sais pas trop si elle sera dure ou pas, mais je découvrais donc je suis mort très vite. C'est à voir. C'est à voir hein. Allez je passe là, les écrans blancs, sort là c'est chiant. Non mais je savais pas... Regardez ces timings de merde là. Sont-ils pas chiants ces timings? Tout affilé comme ça, please quoi. Mais c'est horrible. Stop. Non, non, non. Non, il va me tuer. Terrible, j'aurais pu montrer la seconde phase. Ah, t'es cool.
Là, j'ai grid. Allez, les écrans blancs. Pas mal là. Dommage. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Oh, d'accord. Bon, j'essaye encore 3 fois. Après, on voit. Peut-être que ma ligne me paraîtra plus facile après. Hein. Je fais des trucs tellement chiants. Zut. Zut, non! Mais à chaque fois, il me fait ça et c'est d'attriche, je suis forcément morte. J'ai réussi à esquiver, je suis contente. Non, pas ça. Allez! Merde. J'ai oublié qu'il fait ça. Quand on est en décalé, c'est foutu. Ah.
Bon, allez, dernier try. Je pense qu'après, je vais aller me coucher. Parce que ça va bien. Mais bon, on s'en sort. Hein. Voilà, c'est toujours une histoire de timing, de toute façon. Finalement, est-ce que c'est pas toujours ça, Elden Ring ? Une histoire de timing. De temps et de timing. Dans le sens avoir le bon timing. Et de temps dans le sens prendre le temps d'apprendre le boss. Prendre le temps de le battre, d'être prudent. De ne pas grid. Non, merde. Pas grave. Magie est pas assez forte, ouais, bah la magie de toute façon. Hein. Ah, c'est les builds les moins efficaces du jeu, mais c'est pas grave. Je l'assume mon build, je l'aime. Mais en vrai, je lui fais plutôt mal. Hein. On pourrait croire que c'est pas énorme. En vrai, ça va. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris la strat. Il faut que je roule vers lui pour pas avoir la deuxième onde de choc. Oh, je l'ai stun. Oh, je suis trop contente. Il est trop deg. Ah, j'avoue, là, je cherche la merde. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça d'abord. Ok. Propose ça maintenant. Et peut-être ça. Oh, j'aurais dû le faire maintenant. Mince, je vous ai pas laissé. Oh dommage, je vous ai pas fait la cinématique, j'aurais dû. Bon, j'ai testé une strat, j'aurais pas dû. Mais voilà. Voilà la seconde phase du boss. C'est très stylax. Et je fais n'importe quoi. Et c'est marrant parce que c'est la musique du... GG. Ah non, mais c'est qu'une première phase, inquiétez pas. C'est la musique de quand on meurt. Mais en tout cas... Mais c'est gentil. J'avoue que j'ai essayé de ma strat, j'avais jamais pu la tester. J'ai fait ça n'importe comment. Je voulais voir mon Kamehameha, mais faut pas le faire maintenant. Bref, c'est une erreur. Mais au moins on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Faudrait que je puisse passer plusieurs fois la première phase pour me pour trailler un peu la seconde quand même. Et puis que j'y arrive peut-être un jour, on verra. Mais là, je pense que je vais arrêter pour ce soir. Je pense. Des bisous, des...